petites notes, puisque oui, je suis une youtubeuse organisée. À l'ancienne, certes, mais organisée. Alors, pas tant que ça, parce que ça commence et déjà mes papiers sont à l'envers. J'ai plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est effectivement en collaboration avec une marque et 100% dédiée à cette marque, à savoir Current Body. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Comme d'habitude, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je suis repartie, j'ai une pêche et j'ai refait les deux vidéos par semaine. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à partager avec vous. Et une vidéo par semaine, ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, j'arrive pas à avoir un rythme différent entre ce que je vous dis sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite également à me rejoindre sur ce réseau. Sur Instagram, bah, vous avez les choses au jour le jour. C'est-à-dire que le jour où j'ai reçu le colis Current Body, je vous ai fait une story en vous disant que j'avais reçu un colis. Je ne sais pas si vous avez vu la taille du colis, mais c'est un truc de fou. Donc avant, parce que je sais qu'ils vont passer par là, merci à toute l'équipe de Current Body pour leur confiance et leur bienveillance. Puisqu'en fait, alors pour revenir un petit peu en arrière, je suis très fatiguée en ce moment. Voilà, je suis très fatiguée depuis la fin de l'année et le début d'année. Voilà, donc j'ai pas mal de soucis, je pense, dans la tête qui font que j'ai remarqué que, et sur mon visage, et surtout et avant tout dans mes cheveux, voilà, il y a quelque chose qui change. J'ai 41 ans. Bon, je ne me considère pas comme vieille et loin de là, mais bon, ben voilà, si vous êtes du même âge que moi... Attendez, je vais vous remettre un petit peu droit. Si vous êtes du même âge que moi, bah, vous devez savoir qu'on commence à entrevoir les signes de vieillesse à partir de cet âge-là. Hein. On a le corps qui se ramollit et les cheveux. Je suis en train de faire une fixette sur l'arrière de mes cheveux. Ou, alors, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai fait une coupe. Bon, là, elle est un peu partie, mais vous voyez, c'était un carré plongeant. Donc, à la base, il y avait vraiment l'aspect boule à l'arrière de mes cheveux et un peu limite rasé dessous. Et en fait, depuis que j'ai fait cette coupe, je focalise, mais c'est vraiment le terme, je focalise sur une perte de cheveux que j'ai ici. Donc, je vous inclurai des petits close-up. Donc, voilà, je me jette à l'eau et voilà l'ampleur des dégâts, en tout cas pour moi. Voilà, vraiment, l'arrière de ma tête ne ressemblait absolument pas à ça quelques années auparavant. Donc, voilà, je me mets à nu, c'est... C'est vraiment un complexe. Et à l'avant aussi, ben voilà, une sorte de micro-calvitie arrive également de ce côté, des deux côtés. Donc voilà en tout cas actuellement à quoi ressemble ma tête. Je vous cache rien, hein, c'est-à-dire que voilà, bah oui, on a toutes nos qualités, nos défauts. Et, alors, enfin, on va pas dire que c'est un défaut, on va dire que c'est un complexe, plutôt, un complexe. Donc il y en a peut-être qui vont passer par là et qui vont dire bah, si tes problèmes s'arrêtent là, tant mieux, t'as vraiment pas de problème dans la vie. Bon, la question n'est pas là. La question est que, en tout cas, c'est un complexe, que je peux même plus me faire prendre en photo de dos parce que je vois que ça. Alors, pour un peu que mes cheveux soient pas lavés depuis 2-3 jours, j'ai un type de cheveux qui a tendance à regresser très vite. Bah alors là, c'est le pompon. Donc en plus, avec la taille de mes cheveux, la longueur de mes cheveux actuelle, je ne peux pas les attacher. Donc je m'étais dit, bah, tu vas faire comme ton mari. Mon mari porte une casquette quasiment tout le temps. Je me suis dit, bah, allez, vas-y, t'as qu'à porter une casquette. Moi, je ne supporte pas les casquettes. Je ne sais pas comment il fait pour porter une casquette. Puis je pense que ça n'aide pas les cheveux dans leur repousse. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet. Je voulais prendre une cure de gummies ou des choses comme ça. J'ai regardé des cheveux, kérastase, des trucs. J'ai regardé plein de choses et je suis tombée sur Current Body. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous n'êtes pas sans savoir que je suis ambassadrice depuis, je crois que ça fait, on peut dire plusieurs années, hein, parce que ça fait plus d'un an, je crois que j'ai reçu leur premier colis. Je vous remettrai d'ailleurs dans la barre d'infos les différentes vidéos que j'ai faites à leur sujet. Alors en plus, je vous le dis tout de suite, pour les mauvaises langues qui passent par là, je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ça. Ils m'ont simplement, alors simplement, oui, merci, c'est déjà énorme pour moi en tout cas, ils m'ont envoyé les produits gratuitement. Donc quand on sait le coût du produit, bah oui, merci, merci. Donc s'ils passent par là, merci, vous êtes des amours. Mais voilà, ils ne vous obligent en rien, c'est-à-dire qu'ils vous envoient les produits, mais
Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas. Voilà. Bon, le but étant quand même d'en parler, on est bien d'accord. Donc, je vais vraiment vous faire tout un... Je vais peut-être appeler ça mon aventure capillaire ou peut-être trouver le nom d'une série sur ça. Comme ça, bah, si jamais il y en a que ça n'intéresse pas, ce que je peux tout à fait concevoir, il y a zéro problème, bah, vous ne serez pas obligé d'ouvrir la vidéo quand vous verrez que ça concerne ce sujet. Mais je vais essayer de m'y tenir déjà dans la démarche de test de produits. Et je vais surtout essayer de vous montrer les résultats parce que je croise les doigts pour qu'il y ait des résultats. Donc, je vous disais que je cherchais un petit peu sur Internet ce qui pouvait exister en type de traitement et je suis tombée sur ça. Donc, c'est le masque. Alors, il l'appelle en français appareil LED de repousse de cheveux. Ouh, mamma mia, mais si ça marche véritablement. Alors, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit aussi gros. Donc en fait, quand j'ai vu, pour aller au bout de la démarche, quand j'ai vu que ce produit existait chez Cure & Body, je leur ai demandé un petit peu des avis là-dessus, est-ce que ça pouvait convenir à mon problème actuel. Et là, elle m'a dit, mais bouge pas, on te l'envoie. Waouh, mais merci mille fois. Donc je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi gros, parce qu'en fait, je repars à Maurice là dans quelques temps et je pense avoir plus de temps pour le tester là-bas, à sachant que ils vous disent que pour voir des résultats, donc ils promettent une amélioration de la croissance des cheveux de 123%, une augmentation du nombre de cheveux de 33% en 16 semaines. Donc le casque, il a quand même un certain coût, bien évidemment, on va pas se le cacher, mais il est garanti, satisfait ou remboursé. Donc si la marque s'engage à faire une garantie satisfaction ou rembourser, c'est quand même qu'ils sont sûrs de leur coût. Vous pouvez également payer en plusieurs fois sans frais. Je ne sais pas si la marque... Je ne vous oblige en rien. Puis en plus, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne peux pas du tout vous assurer quoi que ce soit. Mais je crois que j'ai un code promo que je vous remets ici si jamais il y a des personnes intéressées. D'ailleurs, ça doit marcher sur tout le site de Cure & Body. Donc, ils disent de le tester en 10 minutes sur 3 mois et que les résultats sont visibles à partir de 8 semaines. Donc, à partir de 2 mois, vous devez commencer à voir les résultats. Donc, je pense que je vais tester le produit fin février, donc fin avril, je pourrais vous faire une revue sur ce qui s'est passé. Donc, on va quand même voir à quoi ça ressemble parce que j'ai quand même très, très hâte de l'ouvrir. Franchement, c'est une marque très, très, très haut de gamme. Voilà, donc, j'aurais peut-être pu vous filmer le déballage. Hein, mais... Est-ce que vous avez vu que je camoufle la misère ici avec des sets de table? Donc, on va l'ouvrir ensemble. Vous avez un petit film de protection. Ça a l'air de s'ouvrir un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Non? J'ai l'impression. Attendez. On va enlever ça. Je crois que je vais mettre un coup de... J'ai pas d'ongles en ce moment. J'avais fait des faux ongles. Pas des faux ongles, mais du vernis semi-permanent. Et alors, je vous dis pas le résultat. J'ai tout arraché. Et ça ressemble à rien. Ah, j'y arrive pas. Oups. Je crois que je vais l'ouvrir et que... Je crois que je vais l'ouvrir et je vous reprends après. Attendez, parce que j'ai commencé à l'ouvrir et là, je me suis dit non, il faut vraiment que je l'ouvre en même temps que vous. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars par ici? Waouh. C'est assez lourd, hein. Oups. Ah, là, là, j'ai fait tomber le câble. Oh, mais quand mon fils, il va voir ça. Wow. C'est incroyable. Donc voilà à quoi ressemble un casque de luminothérapie. Donc vous avez, si je dis pas de bêtises, mais mon mari va se moquer de moi quand il va me voir avec ça sur la tête, ça c'est sûr et certain par contre. Ce que je fais tomber, c'est ça, c'est le câble de chargement qui doit permettre de recharger le socle, j'imagine. Wow. Et... Ça doit quand même être assez fragile. Je sais pas comment je vais emmener ça à l'île Maurice. C'est vraiment que j'y arrive en fait. Non, non, il faut que je l'emmène parce que c'est vraiment là-bas. Bon, 10 minutes par jour, c'est rien, franchement. Tout. Je vais quand même laisser la protection au cas où. Bah, en fait, on dirait que tu es en train de faire une couleur, non? Waouh! Et ouais. Ça fait pas semblant, hein. Ça fait pas semblant. Donc vous avez tout plein de petites LED à l'intérieur.
Je suis en extase sur ce genre de produit. C'est bon. Alors, mon mari n'y croit pas du tout. Il me dit, mais tu perds ton temps complètement. Mais qu'est-ce que c'est que 10 minutes par jour? Ça ne va pas me changer la vie. Et peut-être que ça va me permettre d'avoir une meilleure repousse des cheveux. Moi, j'y crois. En tout cas, je me dis que ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas de mal. Et ça, donc, c'est le socle sur lequel vous venez recharger le produit. Eh bien, c'est énorme. Énorme. Regarde ce que j'ai reçu. C'est quoi? Un casque de Star Wars. En fait, je suis en train de le déballer et il semblerait que ce soit juste une base protectrice pour tenir le casque et que, en fait, vous voyez, il se branche juste là, donc avec les chargeurs universels. Donc ça, c'est cool. T'as pas besoin de traîner 50 chargeurs pour brancher ton casque. Donc il suffit juste de le brancher là et de le mettre en charge pendant 2h30 la première fois. Donc voilà, je commence aujourd'hui. Évidemment, vous avez un petit guide d'utilisation qui vous est fourni avec l'appareil en français. Et je suis en train de regarder dans mes trucs de fou. En fait, tu peux connecter l'appareil en Bluetooth. Et du coup, il y a du son qui sort des écouteurs du casque. Donc, c'est trop bien. Ça va me permettre de, je sais pas, regarder une vidéo YouTube en même temps que je fais le soin. Donc, c'est juste top. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à tester hein, maintenant, j'ai envie de vous dire. Bon, en fait, je vais l'emmener dans la boîte de protection parce que la boîte est quand même extrêmement bien faite dans le sens où vous voyez, vous avez des protections ici en dur qui permet que il ne va pas bouger le casque en fait. Il ne va pas du tout bouger. Je crois que je l'ai mal remis. Bon, vous avez compris le principe. Je suis trop contente. Franchement, merci. Je vais le tester et je reviendrai vers vous donc d'ici deux gros mois, on va dire. Voilà. Donc, ça, j'ai pas envie de le perdre. Quoi que je pense, c'est un câble standard. Donc, même si je le perds, c'est pas très grave. J'en ai d'autres. La marque étant complètement folle, ils ne se sont pas arrêtés là. Et l'équipe de Cure & Body m'a également envoyé ce petit appareil qui s'appelle le Zip Halo. Donc, je pense que vous en avez certainement entendu parler parce que moi, en tout cas, je l'ai vu passer sur plein de chaînes, mais notamment celle de Colline, dont je vous parle assez souvent sur ma chaîne, et celle d'Hélène, mon blog de filles, qui est quand même ultra connue. Toutes les deux ont mis cet appareil dans leurs articles favoris de l'année 2023. Donc, j'étais tellement contente de le voir dans le colis que, comment dire. Donc, qu'est-ce que ça nous promet? Ça nous promet de lifter, tonifier, raffermir, assainir, repulper et unifier le teint. Que demander de plus? Donc là, par contre, pour le coup, pour l'envoyer, l'amener en voyage, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que le casque, puisque c'est tout petit. C'est tout petit et c'est un petit appareil pour lifter la peau, en fait, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vois dans le descriptif? C'est là. Donc, ils appellent ça Zip Halo, appareil tonifiant pour le visage, appareil à micro-courant et nano-courant pour une peau visiblement rajeunie. Alternative non chirurgicale au lifting et au Botox. On constate l'effet Halo après 6 semaines d'utilisation régulière. Visage plus sculpté, rides estompées, aspect lifté, nano-courant est la raison pour laquelle les résultats de Zip sont si durables. Vous ne pouvez pas sentir ces minuscules formes d'ondes qui commencent à agir dès le premier traitement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment effectivement tout petit. Et je crois que vous devez faire des petits mouvements circulaires sur le visage. Mais c'est Noël les gars, c'est Noël en février. Donc ça c'est, je crois, un gel à appliquer. Ouais, conductive gel. Je crois que c'est un produit à mettre pour amplifier les effets que ça peut avoir sur votre peau. Et il y a également le petit câble de chargement que je vais laisser là. Ça, c'est là. Et ça, ça va là. Eh bien, ils m'ont fait vraiment un cadeau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Dans les commentaires si vous avez déjà ce type d'appareil, si vous connaissez les résultats, je suis très preneuse. Dites-moi si vous avez des questions dessus, que je puisse les poser à la marque en même temps que je vais faire mes tests. Et ma foi, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc, ça se trouve, vous n'allez pas me reconnaître dans quelques mois. Non,
En tout cas, voilà, je tenais à remercier une nouvelle fois toute l'équipe de Cure & Body. J'espère que vous avez hâte quand même de voir les résultats, hein, tout comme moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !